Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien et Kylian et le Faux Quinté avec au programme trois rubriques. Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert. Mon coup de foudre en fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole. Sur la grille de départ du prix Charles Gasteau à Cagnes-sur-Mer, 16 compétiteurs de 5 ans et plus vont évoluer sur la PSF et la distance de 1600 mètres. Feu rouge, je freine avec le 3 Max Verst. L'an passé, il a fait un grand bond en avant sur l'échelle des poids, désormais en 39,5 de valeur et surtout plus confirmé sur le gazon. Sa tâche s'annonce compliquée. Feu orange, je ralentis avec le 13 Indico. Baissé de 2 kg, ce spécialiste de la surface affiche sur le parcours 80% de réussite dans les 3 premiers. Auteur d'une bonne rentrée dans un réclamé à Marseille Vivo, il effectue son retour au niveau des handicaps avec un poids où il va se sentir léger comme une plume. Feu vert, j'accélère avec le 2, le Nomade. Après une traversée du désert, il a retrouvé la bonne carburation. Lauréat de son deuxième quintet, le 12 décembre à Chantilly, il a conclu dans une plaisante action 10 jours plus tard. Supplémenté et associé à Stéphane Pasquier, redoutable dans les courses événements, il a les épaules pour surmonter les 3,5 kg de pénalisation. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus, champ réduit avec le 2, le 8, l'As, le 4 et un X, associé au 5, au 6, au 9, au 11, au 12 et au 13 pour la somme de 12 euros. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.